Bonjour, avec mes camarades, nous allons vous présenter Qu'est-ce que le vivre ensemble à l'aide du film Une incroyable équipe de Sébastien Grobler, sorti en 2011. Comprendre les scènes au regard du film. Le harcèlement et le fait de rejeter, humilier quotidiennement. Exemple, Félix est content et dit à son père que Juste va se faire exclure. Qu'est-ce que la discrimination ? C'est de rejeter une personne, un groupe, et de le priver de certains droits, selon son apparence physique, son origine ethnique et son appartenance religieuse. Exemple, Félix est intolérant envers Juste. Qu'est-ce que l'exclusion ? L'exclusion est le fait d'isoler une personne, un groupe, par un groupe qui se sent supérieur. Exemple. Quand personne ne défend Juste, quand la scie est retrouvée dans son cartable. Comment évolue le groupe ? Ce film parle d'une classe de garçons de 4e qui se rebellent contre leurs professeurs, leurs parents, la société allemande de leur époque. Ils rejettent une éducation stricte et sélective. Au début, des garçons issus de la bourgeoisie allemande méprisent l'Angleterre, dont revient leur nouveau professeur d'anglais, Koch. Il méprise aussi Juste, qui est pauvre. En leur apprenant le football, grâce à leur prof d'anglais, les garçons vont apprendre à être plus unis. Ils vont d'abord se rebeller, notamment contre leur professeur. Ils se moquent de leur professeur d'histoire qui prononce mal certains mots. Ils suspendent leur professeur de sport. Ils se moquent d'un officier et qui a perdu une jambe à la guerre. Ils ne sont plus autant soumis à leur professeur et ils rejettent une partie des valeurs de l'Allemagne de l'époque. L'union entre les élèves se déchire tout de même. Lorsqu'ils jouent au football, la partie dégénère vite s'il n'y a pas d'arbitre. Ils se résignent vite lorsqu'ils apprennent que le conseil des parents d'élèves a interdit le football. La cohésion apparaît surtout à la fin lorsque Félix permet à la classe de montrer à la délégation impériale ce qu'est le football. Cette cohésion s'est construite par étapes. Les garçons ont débattu, discuté ensemble. Les garçons ont fait un pacte, accepté de suivre des règles. Les garçons ont accepté d'intégrer tout le monde à leur équipe, notamment en Juste. Maintenant, je vais passer la parole à mon camarade Benjamin. Comment évolue Félix ? Au début du film, il a une attitude agressive et harcèle son camarade pauvre. Par exemple, quand il suspend les chaussures de Juste au lampadaire et il veut l'envoyer de l'école. Au milieu du film, il commence à changer de personnalité. À la fin du film, il devient un leader positif du groupe et une personne sur laquelle on peut faire confiance. Par exemple, quand il désobéit à son père pour rejoindre Juste et les autres. Conclusion, qu'est-ce que le vivre ensemble ? Le vivre ensemble est une idée, un concept qui exprime les liens pacifiques qui retiennent les individus, un groupe, une classe, un village, etc. De leur environnement de vie. Le vivre ensemble, c'est aussi rejeter toutes les formes de discrimination, comme le racisme, l'homophobie. Le vivre ensemble, c'est le harcèlement et l'exclusion.